ravi de votre visite une fois à votre plateforme Revision que vous avez l'habitude de suivre avec mon ami, mon frère, monsieur Ba, professeur toujours de lettres modernes au niveau du lycée Fethel Badane. La dernière fois, on a parlé du surréalisme. Aujourd'hui, nous sommes là pour aborder la littérature négro-africaine. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sela. Encore une fois, ravi vraiment de retrouver les internautes qui nous suivent et qui nous attendent avec impatience. Donc, bientôt, donc, le bac. Mais je vous assure que donc, si vous y mettez, donc, voilà, ça ne va pas être difficile. Parce que la littérature n'est pas très difficile. Donc, voilà. Donc, on sera là à vous accompagner et à vous conseiller. Et je pense que tout ira mieux. Voilà. Merci beaucoup. Bon, d'emblée, je vais vous demander de s'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer sur la cloche de notification pour être au courant si une vidéo est mise en ligne, d'envoyer vos commentaires, vos suggestions et vos critiques. Je fais un grand coucou à ma maman qui me suit depuis Dakar. Maman, bisous. Monsieur Ba, quand on parle de la littérature négro-africaine, il y a un contexte bien défini qui a causé sa naissance. C'est quoi? Donc, la littérature négro-africaine est venue tardivement et, comme vous le savez, elle est intimement liée avec l'esclavage. Donc, vous savez que l'esclavage a été aboli en 1848 par Victor Schœlcher. Et quand on a aboli l'esclavage, depuis les États-Unis, les Noirs américains qui ont quitté maintenant, auxquels leurs ancêtres avaient quitté l'Afrique depuis des années avec ce commerce triangulaire-là, et ont connu peut-être des générations d'hommes là-bas. Maintenant, ils ont eu un problème d'insertion sociale. Et c'était quel problème? Parce qu'on venait de leur dire qu'après des années de prison, d'enfermement, s'ils sortaient, ce n'était que pour aller dans les champs de café, de coton, pour cultiver, et le soir, ils revenaient dans leur Senizala. Et donc, quand on leur dit un jour, vous êtes libre, où est-ce qu'ils vont aller? Donc, c'est pour ça que Cheikh Anta Diop avait dit que donc, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé ressemble à l'esclave du 19e siècle, qui, une fois libéré, il va jusqu'au bar de la porte, puis revient à la maison parce qu'il ne sait pas où aller. Donc, cette situation était jugée comme étant une situation vraiment désastreuse, donc une situation à déplorer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se regrouper dans les quartiers qu'on appelle les ghettos. Et dans ces ghettos, très pauvres, ils n'arrivaient pas à faire des travaux, peut-être qu'ils leur amenaient de l'argent. C'est pour cela que donc ils faisaient des travaux les plus misérables, tels que balayer les routes la nuit, etc. Et ils n'osaient même pas sortir la nuit, parce que dans certains recoins des États-Unis, on brûlait même les Noirs. Donc c'était une situation à dénoncer, et il fallait une littérature pour en parler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vers les années 1895, il y a un Noir américain qui se lève et qui dit « Je suis nègre ». Est-ce que vous voyez? Donc c'est là que tout est parti. Il se lève un bon jour et il dit « Je suis nègre et je me glorifie de ce nom, je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines ». Donc c'est William Du Bois. William Du Bois, donc, était en train de faire pour la première fois quelque chose que les autres peut-être n'osaient pas faire. Pourquoi? Parce que quand il dit « Je suis nègre », déjà il se reconnaît comme étant un Africain, c'est-à-dire qu'il se reconnaît comme étant, ses origines c'est l'Afrique. Donc quand il dit « Je suis nègre » en tant que Noir américain, parce qu'il faut faire la différence entre le Noir et le nègre. Le Noir c'est celui qui appartient à l'Afrique, mais qui vit ailleurs et qui a la peau noire. Donc on les jugeait de par leur peau et on a fini par appeler le Noir. Maintenant, le nègre... C'était une manière de se révolter quand il disait ça? Oui, c'était une manière de reconnaître d'abord que ses origines, c'est l'Afrique. Donc, quand il dit « Je suis nègre et je me glorifie de ce nom, je suis fier du sang noir qui coule dans les veines », donc il était en train d'impulser aux autres qui étaient noirs et qui étaient intellectuels et qui faisaient de la littérature. Il leur disait donc « Il faut retourner en Afrique parce que, et nous ressourcer et... » Il est temps de nous engager sur tous les problèmes que les Noirs vivent ici aux États-Unis, tels que la ségrégation raciale, il y avait. Parce que dans les bus aux États-Unis, il y avait deux parties, derrière les Noirs et devant les Blancs. Donc dans les églises, derrière les Noirs et devant les Blancs. Donc cette discrimination-là, il fallait lutter contre ça. C'est pour ça qu'ils vont se regrouper, Marcus Garvey, Kunti Kulen, Sterling Brown, William Du Bois... Et les autres, donc, ils vont essayer de se regrouper et vont mener un combat. Et c'est là que le mouvement va naître, qu'on va appeler la Renaissance nègre. Donc, et ce courant-là, pourquoi aux États-Unis? Parce que ça va être intimement lié avec la littérature négro-africaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par là? On peut dire par là que la négritude est née aux États-Unis. Dans quel contexte? Dans un contexte de l'après-l'esclavage, où les nègres n'avaient plus...
le choix entre rester dans ces pays qu'ils ne connaissaient pas ou parce qu'ils avaient un problème d'insertion. Et c'est là que maintenant le mouvement va naître aux États-Unis et ils vont venir en Afrique parce que Marcus Garvey va lancer un slogan « Come back to Africa ». Donc ils vont venir en Afrique, ils vont se ressourcer et ils vont retourner aux États-Unis et ils vont continuer le combat. Et tous, ils vont sortir des textes, ils vont publier partout et ils vont revendiquer la dignité de l'homme noir, mais aussi la liberté de l'homme noir, mais aussi la reconnaissance de l'homme noir comme un être comme les autres. Donc il fallait revendiquer cela et ils l'ont fait. Maintenant, donc vers les années 1803, c'est là que William Du Bois va publier un livre qu'on peut prendre comme étant le manifeste. Parce que ce livre s'appelle « Âme noire ». Et dans « Âme noire », il le publie en 1903, donc nous sommes au début du XXe siècle. Et c'est là que maintenant, le courant va devenir un courant presque qui va se propager dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on les lisait partout, ils faisaient des conférences partout, et ils défendaient la dignité de l'homme noir. Et maintenant, petit à petit, aux États-Unis, les gens ont commencé à reconnaître l'homme noir et que l'homme noir commence à avoir certains privilèges. Par exemple, de travailler dans les sociétés, d'avoir un boulot meilleur que les boulots qu'ils avaient. Donc c'est là que maintenant que les choses ont commencé aux États-Unis. Et c'est là que maintenant, après ce courant-là, va gagner la France vers les années 1930. Senghor est né en 1906 à Joal. Aimé Césaire en 1913 à Fort-de-France, à la Martinique. Et ces gens-là vont grandir avec d'autres écrivains qui vont venir d'ailleurs. Et c'est eux qui vont prendre ce relais-là pour contenir le mouvement de la négritude en France. Voilà. Donc si on peut, qu'est-ce qu'on peut retenir donc, sur cette naissance-là ? Donc, retenez que donc, le mouvement de la négritude est né aux États-Unis. Et ce mouvement est né dans le déchirement et la douleur. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui étaient révoltés. Révoltés contre quoi ? Contre leur situation, leur condition de vie, mais aussi révoltés parce que pendant longtemps, l'homme noir a été spolié, l'homme noir a été méprisé, l'homme noir a été réduit même à l'état de bête, et ils en avaient ras-le-bol, et il fallait une littérature pour en parler, et la Renaissance nègre va naître aux États-Unis, et maintenant ce mouvement va constituer que des Américains, c'est-à-dire des Afro-Américains, comme Marcus Garvey, Conti Cullen, Sterling Brown, William Du Bois, les autres. Donc ce mouvement va naître aux États-Unis et ce mouvement va gagner la France après vers les années 1930. J'ai pas entendu le nom de Martin Luther King. Martin Luther King va, oui, c'est un contemporain parce que lui, Martin Luther King va venir après. Mais dans cette deuxième génération-là, on aura les Martin Luther King, on aura tous ces écrivains noirs-là qui vont aspirer à être des politiciens. Parce que n'oubliez pas, au début, les noirs ne votaient pas. C'est pourquoi, dans son fameux texte « I have a dream », Martin Luther King disait « I have a dream, so one day, the Negro in Mississippi, in Georgia, in California, will be able to sit down together at the table of Brother Woods. » Parce qu'il y avait des noirs un peu partout aux États-Unis et ces noirs-là n'arrivaient même pas à s'entendre sur des questions. Et il a rêvé qu'un jour, que tous ces noirs-là vont s'asseoir autour d'une table et vont parler de leurs problèmes spécifiques afin de trouver un consensus et pour avoir beaucoup plus de force dans leur combat. Et Martin Luther King aussi avait dit « I have a dream, so one day a colored man will be able to vote ». Donc il a dit que j'ai fait un rêve et un jour le noir va voter aux États-Unis. Et il va pire encore, il va dire « One day a colored man will be able to be the president of the United States ». Et cela a arrivé un siècle après. Parce que Barack Obama est devenu président des États-Unis quand ? En 2008. Et vous voyez que donc, ce qu'il avait dit vers les années 1905-1910, c'est un siècle après. Et donc, c'était des visionnaires, c'était des gens qui croyaient à leur combat, mais aussi c'était des gens qui ont cru que le nègre était par excellence un être qui fait partie de ce monde-là et un être très important. Et c'est ce que Césaire va dire tout à l'heure, après à la France, quand il dit ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole. Maintenant, parlez-moi des romans nègres africains. C'était quoi, à peu près ? Non, parce que je vais... Bon, avant de parler des romans nègres africains, je vais parler de ce mouvement qui gagne la France, avec Césaire, Senghor, avant de parler de... Césaire et Senghor ont été inspirés par ces Américains ? Oui, pourquoi ? Parce que vers les années 1910, le mouvement avait commencé à connaître son déclin. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en train de devenir vieux, certains sont morts et d'autres... Il fallait une génération, une autre génération pour connaître le combat. Et en France,
Senghor et Césaire vont hériter de ce courant-là parce qu'ils étaient influencés par des Afro-Américains qui étaient venus en France pour leur parler. Parce que étant des jeunes venus d'Afrique et d'ailleurs, donc il fallait aussi continuer ce mouvement-là et ce mouvement va continuer en France. Et je vous l'ai dit, donc dans les quartiers latins, beaucoup d'écrivains sont venus, divers horizons. Donc je vous ai parlé de Étienne Leroux, Jules Marcel Monero. Tous ces gens-là étaient venus de la Martinique, des Antilles. Et là, les Antilles. C'est quoi? C'est une île qui regroupe des pays comme la Martinique, le Guadeloupe, Haïti, et ce que vous voyez, Guyane française. Donc c'est ce qu'on appelle les pays des Antilles. Des Antilles. Maintenant, donc Étienne Leroux, Jules Marcel Monero, etc. Donc, et au Sénégal, Léopold Sédar Senghor, David Diop, Birago Diop, Alioune Diop. Est-ce que vous voyez, donc le malgache Marc Rawero Mandjara, mais aussi on avait le Guyanais Léon Godran Damas et Aimé Césaire, le Martiniquais. Donc vous voyez que donc, c'était des étudiants venus d'horizons divers, mais qui avaient un seul objectif, c'était de faire quoi? C'était de tout faire pour que l'on reconnaisse la dignité de l'homme noir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là que le mouvement va gagner la France, et je vous ai dit que donc il y avait beaucoup de dans ce contexte-là, beaucoup de choses qui faisaient mal à ces gens-là. Et ces étudiants-là avaient commencé à travers des revues, d'abord avec la revue du Monde Noir, en 1930, qui ne réunissait pas tous les étudiants. Après, en 1932, on a eu le légitime défense. Et à la fin, vers les années 1934, c'est autour de l'étudiant noir maintenant que tous les étudiants vont se ruer autour de qui? Senghor, Césaire et Damas. Et le mouvement va connaître ce qu'on appelle des lendemains meilleurs. Et quand on a demandé à Senghor, je l'ai dit l'autre fois, pourquoi vous avez senti le besoin de vous révolter? Il avait dit que nous étions plongés, Aimé Césaire et moi, avec quelques autres étudiants noirs, dans une sorte de désespoir panique. L'horizon était bouché et il n'y avait pas de perspective en réforme. Les colonisateurs légitimaient notre dépendance économique et politique par la théorie de la table rase, parce qu'estimaient-ils que nous, les nègres, n'avons rien inventé, rien créé, que des danseurs nous sommes. Et pour maintenant mener une révolution, notre révolution, pour asseoir une révolution efficace, notre révolution, il nous fallait d'abord nous débarrasser de tout ce qui était vêtement d'emprunt, afin d'éviter l'assimilation et après assumer notre être, c'est-à-dire notre négritude. Donc vous voyez que donc, ce mouvement va gagner la France et il y avait un besoin de se révolter. Et ils se sont révoltés, ils ont pris les choses en main et c'est là que le mouvement de la négritude en France aura lieu. Senghor va publier Champ d'ombre en 1945. Je l'ai dit. Et dans Champ d'ombre, donc c'est une œuvre au programme, chers apprenants. Donc Champ d'ombre, vous l'avez vu en classe avec vos professeurs. Donc il faut le revisiter parce que la poésie peut revenir au bac. Maintenant, Césaire va publier Cahier d'un retour au pays natal. Et c'est là-bas qu'il va donner la définition de la négritude. Il dit que la négritude, c'est la simple reconnaissance du fait d'être noir. Et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Il dit que quand tu acceptes que tu es noir, quand tu acceptes que le noir a un destin que nul autre n'a, le noir a une histoire que nul autre n'a, le noir a un destin à assumer. Donc, et quand tu te sens dans ça, et tu es considéré comme un nègre. Parce qu'il y avait des noirs auparavant qui ne se considéraient pas comme des nègres. Donc, c'est pourquoi il a dit que c'est la simple reconnaissance du fait d'être noir. Et l'acceptation de ce fait, de notre destin, de notre histoire et de notre culture. Donc on a une culture, on a une histoire et on a un destin à assumer. Et Senghor va définir la négritude comme étant les valeurs, mais aussi l'esprit de la civilisation négro-africaine. Donc en tant que Serrère, il dit que moi, ma négritude, c'est un retour au royaume d'enfance. Mais qu'est-ce que la négritude? Il dit que ce sont les valeurs, mais aussi c'est le patrimoine culturel, mais aussi l'esprit de la civilisation négro-africaine. Parce que quand on lui a dit, mais Senghor, pourquoi le royaume d'enfance? Il dit que, mais en tant que Serrère, je suis né à Joal, j'ai grandi à Dilor et j'ai fait mes études en France. Et il dit que maintenant, j'ai senti le besoin de me ressourcer. C'est pourquoi donc, dans beaucoup de poèmes, dans Champ d'ombre, on voit cette envie de retourner à la terre natale à travers Joal. Quand il dit Joal, je me rappelle les signards à l'homme vert des vérandas, les signards aux yeux sur comme un clair lune sur la grève. Donc vous voyez que donc, c'est un courant donc, qui s'engage aussi pour les problèmes de la France, contre le racisme, je vous l'ai dit donc, dans l'autre vidéo. Donc Senghor, un jour, est entré dans un restaurant en France. Et c'est ce qui l'a le plus animé, c'est que dans ce restaurant-là, il entre avec Césaire et Damas, ils se sont assis et ils avaient demandé du café à boire. Mais celui qui servait, c'était un blanc. Il vient et leur dit que malheureusement, ici, dans ce restaurant-là, on ne sert pas les noirs. Est-ce que vous voyez? Donc Senghor s'est levé et il s'est dit avec Damas et Césaire, donc nous allons, il faut qu'on se reconstitue pour mener un combat
contre le racisme. Et je vous avais parlé de ce panneau publicitaire qu'il avait vu où il y avait, on faisait une publicité de ce céréale qu'on appelle le banania. Mais non, il fallait revoir ça. Mais non, dans ce panneau publicitaire, on avait mis d'abord un nègre qui est vilain, je vous l'ai dit, avec de gros yeux, un nez épaté, des oreilles qui ressemblaient à des antennes paraboliques. Mais ça, c'est une insulte. Il dit que mais le noir n'est pas aussi vilain, le nègre n'est pas aussi vilain. Et puis, le nègre souriait et sortait sa langue, et en bas, on a mis Yabon Banania. Donc, ils disent que donc, ça aussi, c'est pour dire que donc, le nègre aussi est gourmand. Donc, toutes ces choses-là le faisaient mal. C'est pourquoi, quand il a commencé à dénoncer la négritude, à mener ce combat, il a dit « Je commencerai par déchirer les rires banania sur les murs de Paris. » Donc, voici donc ce courant qui va naître. Donc, après, peut-être, on va parler un peu de l'autre contexte qui est le contexte de la naissance du roman négro-africain de l'autre côté, où Senghor avait dit, je vais faire une transition, où Senghor avait dit, dans le contexte du roman négro-africain, tout commence avec René Maran. Voilà. Avec René Maran. Ok, maintenant, le roman négro-africain, ça parle de quoi effectivement? Le roman négro-africain est né vers les années 1920. Donc, un peu après, ou bien un peu avant la négritude. Parce que, n'oubliez pas que avant 1920, il y avait des romanciers nègres, mais qui ne parlaient pas des problèmes de l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Mais il a fallu attendre vers les années 1915-16, la France a envoyé un Guyanais qui s'appelait René Maran. Il était venu comme administrateur colonial dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la République Centrafrique. Et à l'époque, on l'appelait Lubangui-Chari. Il était venu en tant qu'administrateur, mais il y a des choses qu'il a vues là-bas et que sa qualité d'homme de lettres et sa qualité d'homme intellectuel ne pouvait pas accepter. Il renonce à son métier et il se consacre à l'écrit. Et il va écrire un roman qui va être considéré comme le premier roman nègre qui va parler pour la première fois des préoccupations des nègres. Et ce roman s'appelle Batoala, qui va publier en 1921. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi Senghor avait dit, dans le contexte du roman négro-africain, tout commence avec Batoala. Donc si vous parlez de l'engagement, chers apprenants, du roman, donc quand vous aurez parlé de quelques romans occidentaux, mais il faut ajouter le roman négro-africain. Voici un roman battant, voici un roman réaliste, Batoala, qui naît dans un contexte où il le fallait. Et René Maran est le premier à parler des problèmes des nègres en Lubangui-Chari. Et à travers ce texte qu'on connaît, nous tous, il nous crève lentement. Et quand on a donné la parole à Batoala, ce personnage-là qui disait, donc, je ne me lasserai jamais de dire la méchanceté des Toubab, je ne me lasserai jamais de leur reprocher leur cruauté, leur méchanceté et leur rapacité. Jusqu'à mon dernier souffle, je leur reprocherai leur cupidité et leur rapacité. Que ne nous ont-ils pas promis depuis que nous avons eu le malheur de les connaître? Est-ce que vous voyez? Donc, si on regarde bien, donc, c'est un personnage qui se révolte contre la situation qui se passe. Et pourquoi ce roman était l'un des romans les plus lus? C'est parce que le roman était tellement réaliste. Et aux yeux des gens, c'était un roman qui avait révolutionné le monde, notamment dans la préface de Batoala, où le texte donne beaucoup de personnes. Quelquefois, c'est le blanc qui parle, quelquefois, c'est Batoala qui parle, quelquefois, le narrateur, quelquefois, le nègre. Donc, on a parlé de polyphonie narrative dans le roman. C'était une innovation. Et c'est là qu'il va avoir le prix Goncourt. Et vous savez que le prix Goncourt est décerné chaque fois au roman le plus réaliste. Donc, voici donc ce qu'on peut dire donc, sur le roman négro-africain. Donc, le roman négro-africain est né avec Batoala, avec René Maran en 1921, et maintenant on aura une périodisation des autres romans. Voilà. Maintenant, est-ce que ces écrivains négro-africains ont tous eu un rôle sur la décolonisation? Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais parler donc de la classification des romans. Donc, après Batoala, normalement on devait avoir des romans engagés, mais malheureusement on n'a pas de romans engagés parce que la périodisation, j'ai l'habitude de dire aux élèves, il y a trois périodes. C'est de 1920 à 1945. Parce qu'après Batoala, on a eu à classifier les types de romans. De 1920 à 1945, il y a un premier type de littérature qu'on avait dans le roman négro-africain qu'on appelle la littérature de consentement. C'est quoi? On consentit la colonisation. Au lieu d'en parler ou de le fustiger, ils étaient avec la France parce qu'ils chantaient la France. Ils faisaient l'apologie des Français. Et je veux citer qui? Donc il y a un premier roman qu'on appelle le roman d'apologie. Le roman d'apologie, c'est un roman qui fait l'éloge des Français. Donc, il y a d'abord le fameux roman de Amadou Mapate Diagne qui a publié Les Trois Volontés de Malick. Que voulait Malick? Aller en France, avoir une femme française et avoir la nationalité française. Donc, vous voyez,
Et dans un autre élan aussi, il y a Bakary Diallo qui nous donne force bonté. Bakary Diallo était un ancien tirailleur sénégalais. Donc Bakary Diallo nous donne force bonté. Donc il est en train de nous montrer que la France est une force, mais qui est bonne pour l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a un autre type de roman, toujours dans la littérature de consentement, qu'on appelle le roman consensuel. Au lieu de faire l'éloge des Français comme les autres, ils ont essayé de trouver un consensus entre la tradition africaine et la tradition occidentale. Et on a parlé d'interculturalité. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le cas d'Ousmane Sosso Diop qui donne Karim. Dans Karim, on peut voir que c'est un Sénégalais qui naît au Sénégal et qui vit à Saint-Louis. Et Saint-Louis, c'est la première capitale du Sénégal où il n'y avait que des Toubabs. Il se comportait comme un Toubab. Il faisait des cadeaux à son amant. Et on faisait chanter de lui. Il y avait son Samolinger qui chantait avec son Khalam qui le suivait partout. Et il donnait de l'argent un peu partout. Mais après, il s'est ruiné. Il est retourné chez lui à Dakar entre ses parents. Et il a vécu le rituel du mariage africain parce qu'il a donné une femme. Et le lendemain, on battait le tam-tam. Et il s'est dit que mais voilà donc ma vraie culture. Donc, quelquefois, ces romanciers-là, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle l'interculturalité. Et cela a été motivé à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que tous les chefs d'État africains à l'époque avaient des femmes Toubab. Donc, ils se sont dit que on peut donc allier la culture africaine, la culture occidentale. Maintenant, donc ce premier type de roman qu'on a appelé, c'est le roman de la littérature de consentement qui suit la. Donc, vous voyez, donc, normalement, on devait avoir des romans, ce qu'on appelle des romans engagés. Maintenant, il y a une deuxième période qu'on appelle le roman de contestation. C'est de 1945 à 1960. 45, pourquoi? Parce que déjà, on s'approche des années 1960. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup de romanciers ont voulu faire le procès de la colonisation. Donc, vous qui me parlez de est-ce que ces romanciers ont participé à la décolonisation? Oui. Parce que ces romans-là, c'est tous des romans qui étaient contre la colonisation. Comment? Parce que nous étions dans un contexte où on a commencé à démystifier les Blancs en Afrique. Après la conférence de Berlin, ils se sont partagés les terres africaines. Et chaque puissance avait pris ses terres. Et chaque puissance avait fait des choses. Ils ont pillé l'Afrique de ses richesses. Ils ont tout fait. Et c'est là que maintenant des romanciers vont s'engager, tels que Ferdinand Oyonnax qui donne Une vie de boy et le Vienneck la médaille de façon simultanée. Abdoulaye Sadji va donner Maïmouna et va donner Nili Miatès du Sénégal. Ousmane Sembène va donner Les bouts de bois de Dieu. Est-ce que vous voyez? Kamara Lai va donner L'enfant noir, mais Kamara Lai est considéré par certains comme étant quelqu'un qui a parlé dans un contexte où il ne fallait pas parler de ça. Parce que Kamara Lai, au lieu de faire la dénonciation, la satire de la colonisation, lui, il a préféré revenir sur son enfance, revenir sur ses sources, la beauté de l'Afrique, l'enfant et le serpent, etc. Au lieu de parler de l'engagement. Maintenant, certains ont dit que lui, c'est le contre-pied de ce contexte-là. Parce qu'il a écrit autrement. C'est pour clair. Donc, la question de l'engagement, c'est quoi? Il y a plusieurs façons de s'engager. Lui, au lieu de dénoncer, il a préféré montrer l'Afrique et ses richesses. Et c'était un engagement en soi. Donc, Kamara Lai dans L'enfant noir. Mais aussi, il y a Tinoua Achebe dans Le monde s'effondre. Donc, aussi, on avait aussi d'autres romanciers qui écrivaient aussi dans ce contexte de la décolonisation. Donc, ils ont participé à cela, et c'est pourquoi vers les années 1960, avant la fin de leur période, beaucoup de pays africains sont allés à l'indépendance. Déjà en 1959, en Algérie, en 1960, l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc vous voyez que donc, ils ont tout fait, ils ont parlé un peu des conséquences quand même de ça. Et je veux citer un roman que vous pouvez citer dans le contexte de l'engagement des romanciers négro-africains. Parce que c'est dans la deuxième période qu'on a eu quand même la suite logique des romans qui ont succédé à Batwala. Parce que c'était des romans engagés. Donc, je peux citer Une vie de boy. Mais que nous montre Ferdinand Oyonnax dans Une vie de boy? C'est un jeune noir qui s'appelle Tundi, qui naît au Cameroun. Et qui va renier son père parce qu'il a voulu faire des études. Et il va se rendre chez le père Gilbert. Le père Gilbert lui apprend à écrire et à lire. Et Tundi tenait un journal. Chaque jour. Et il a baptisé Joseph Tundi Ondoa. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le père Gilbert va mourir et Tundi est admis au cercle de commandement. Le commandement, c'est à l'époque la gendarmerie d'actuelle. Et c'est eux qui géraient la colonie, les problèmes, etc. Donc, il y avait un commandant qui s'appelait M. Dekazi. Mais M. Dekazi, un jour, Tundi s'est rendu compte que c'était un homme mais qui était incirconcis. Est-ce que vous voyez? Donc, le mythe qui était dans la tête de Tundi, que le blanc était un être, un dieu sur terre,
le meilleur, le plus intelligent. Voici que tout le monde se dit dans sa tête. Voici un homme qui n'est pas véritablement un homme. Parce qu'en Afrique, pour être homme, il faut que passer par la case des circoncis. Et le commandant était incirconcis. Et dans sa tête, il commence à démystifier le blanc. Et après, il s'est rendu compte que la femme de M. Degazi était une femme adultère qui couchait un peu partout. Et il s'est rendu compte que donc, voici donc des gens pour qui on prenait des gens importants, des gens qui étaient bons et tout, mais voici que c'était des gens qui n'étaient pas ça parce qu'ils étaient pleins de vices. Est-ce que vous voyez? Donc l'opération de démystification commence dans sa tête et c'est là quand même qu'il va subir le sort après. Parce que Tundi va être comploté, tabassé à mort, il va finir à l'hôpital et c'est là qu'il va échapper pour aller en Nouvelle-Guinée et c'est là-bas qu'il va mourir. Donc ça nous montre quoi? Comment les Toubabs, comment les colonialistes vivaient avec les Africains. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était un roman à prendre dans le contexte de l'engagement. Donc, dites-vous que donc, ces romanciers-là ont lutté pour la décolonisation et vers les années 1960, beaucoup de pays africains sont allés à l'indépendance. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y aura une troisième période. Mais cette période est appelée le roman, c'est là où on va terminer. Donc, cette période est appelée la littérature de désenchantement ou de désillusion. Désenchantement, pourquoi? Enchanté que les pays africains aillent à l'indépendance. Enchanté qu'ils aient l'indépendance. Mais après, l'indépendance va connaître un échec. Un échec. Et c'est pourquoi donc tous ces romanciers-là, d'après 1960, on les a appelés les romanciers post-coloniaux. Pourquoi? Parce que après la colonisation. Et donc, beaucoup de romanciers ont fait le procès de la colonisation. Le procès des indépendances, pourquoi? Comme qui? Comme Ahmadou Kourouma dans Les Soleils des Indépendances. Lui, il nous propose un éclairage sur l'Afrique 8 ans après les indépendances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous montre un prince qui s'appelle Fama Doumbia, un prince malinqué qui s'appelle Fama Doumbia. Et Fama Doumbia était, avant les indépendances, était un prince bien-né qui choisissait les femmes parmi tant d'autres, qui choisissait l'or parmi beaucoup d'autres et qui choisissait le manger parmi tant d'autres. Mais voici que les indépendances, avec les indépendances, il va connaître la déchéance. Donc il choisit cette figure-là pour montrer que les indépendances ont échoué en Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc, et Fama va finir dans la déchéance. Fama faisait le tour des funérailles pour avoir de quoi manger. Fama n'était plus un homme bien-né. Imaginez-vous un prince qui naît et qui finit dans la déchéance et il va mourir. Et cette figure-là de Fama symbolise quoi? L'échec des indépendances. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a Tcherno Mononembo aussi. Il y a Henri Lopez dans Le Pleurer Rire qui va parler de la dictature. Mais aussi, il y a beaucoup de romanciers comme Cheikh Alinda aussi du Sénégal qui va parler de Mbam dictateur. Donc, ils vont parler de ces figures-là qu'on avait en Afrique, ces nouveaux maîtres appelés présidents, à qui le peuple africain avait confiance, mais qui a fini par déshonorer. C'est pourquoi on a parlé d'illusion, mais désillusion après. Illusion, moins espoir. Mais après, désillusion, désespoir. Pourquoi? Parce que le peuple africain avait espoir que ces gens-là allaient tenir les pays, parce que c'était des fils du pays. Mais malheureusement, si on regarde bien un peu partout dans les pays africains, après les indépendances, c'était des coups d'État, des pratiques vraiment avilissantes, coups d'État, corruption, détournement de deniers publics, torture. Donc, si on revisite les pays, je peux donner l'exemple de la Gambie, je peux donner l'exemple du Congo avec Mobutu Sese Seko. On a lutté, on a tué Patrice Lumumba et on réclame son corps jusqu'à présent. Thomas Sankara au Burkina Faso, est-ce qu'on ne l'a pas tué? Et tout ceci a été comploté par ces puissances-là, qui étaient partis, mais réellement qui avaient encore des pieds en Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc, voici donc la classification du roman. Donc, retenez que donc, si vous devez parler des romans de désenchantement que vous avez au programme, Les Soleils des Indépendances, il faut le parler dans un contexte qui dénonce quoi? L'échec des indépendances en Afrique. Et Ahmadou Kourouma a voulu nous donner un éclairage sur ça. Et donc, c'est un roman donc, qu'il faut revoir. Et qu'il faut citer dans les thèmes peut-être qui peuvent revenir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, un résumé. Donc, un résumé. Donc, il faut dire que donc, le roman négro-africain donc, est né en 1921 avec le premier roman véritable né qu'on appelle Batwala de René Maran. Après, il n'y aura pas une suite logique du roman parce qu'après, on aura la littérature de consentement. Mais il faut attendre vers les années 1945 pour voir des romans engagés comme Batwala, Une vie de boy.
le vieux nègre et la médaille, Nini Milata du Sénégal, donc le monde s'effondre, Tino Akibé. Donc il y a beaucoup de romanciers, L'Enfant Noir, Kamara Lai, donc beaucoup de romanciers qui vont suivre la voie déjà tracée par René Maran, publié en 1921. Et maintenant, la troisième période, c'est le roman de désillusion, de désenchantement. Certains écrivains, après les indépendances, ils ont fait le bilan et on s'est rendu compte que partout en Afrique, il y avait un échec de ces indépendances-là. Pourquoi ? Parce qu'on était indépendants, mais on dépendait toujours des puissances européennes. On était indépendants, mais ce sont les puissances européennes qui décidaient à nos places. On était indépendants, mais ce sont les puissances étrangères qui nous finançaient tout et jusqu'à présent. C'est pour cela que Senghor avait dit, nous ne voudrions pas l'indépendance dans la dépendance, parce que beaucoup de pays africains n'étaient pas prêts pour aller vers l'indépendance. Maintenant, les nouveaux maîtres qui dirigeaient leur pays, leur propre pays, parce qu'ils étaient des natifs de ce pays-là, ont montré le désespoir, le désillusion, cette désillusion-là sur leurs actes, avec des pratiques avilissantes, je l'ai dit, de coup d'État, corruption, détournement de deniers publics, et jusqu'à présent, on vit ça. Donc, c'est pour cela que donc, voici, donc, les romanciers vont dénoncer ça. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le roman négro-africain. Donc, en attendant donc, la suite, donc, voilà, chers apprenants, ce qu'on pouvait dire sur le roman négro-africain. Moussiba, merci. Juste une dernière question. Des écrivains comme Wole Soyinka, vous diriez que c'était des opposants, ils étaient contradictoires avec les Senghor, Césaire et la négritude, c'est quoi exactement? Donc, pour certains, donc, comme Wole Soyinka, qui est un grand écrivain hein, anglophone de nationalité nigérian, faisait partie de ces écrivains africains, mais qui écrivaient pour aussi qu'on ait une Afrique riche, une Afrique indépendante aussi. Mais il était contre la négritude, pourquoi? Parce qu'il disait que c'était un combat perdu d'avance. Il assimilait même les Senghor, Césaire et Damas comme étant des narcissistes. Donc, qui était narcissiste? Narcisse était un personnage de la mythologie grecque qui était tombé amoureux de son propre visage. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que, à force de dire le noir, le nègre, le nègre, le nègre, c'est comme si, quelquefois, on tombe même amoureux de soi-même. Est-ce que vous voyez? Alors qu'à la place de dire le nègre, il faut agir. C'est pourquoi il donne cette fameuse boutade que vous connaissez tous. Le tigre ne réclame pas sa tigritude. Il doit bondir sur sa proie et la dévore. Est-ce que vous voyez? Donc, mais quand même, c'est des gens quand même qui des détracteurs de la négritude quand même et qui ont permis à Senghor et Césaire d'entreprendre plus. Et c'est ce qui fait la beauté de la littérature, en fait. Donc, c'est les gens de Wole Soyinka, donc on peut les ranger sur ces écrivains négro-africains, mais qui ne voulaient pas que certaines entreprises se fassent comme ça, mais que ça soit organisé, parce qu'il avait dit que donc Senghor, Césaire et Damas s'engagent dans un combat qu'ils ont perdu avant même de s'engager. C'est-à-dire qu'ils les ont perdus. Et aujourd'hui, donc, cette question de savoir qu'est-ce que la négritude a réglé, donc aujourd'hui, on peut même se demander ça. Qu'est-ce que la négritude a réglé? Et il y avait tant d'autres, hein, comme Cheikh Anta Diop aussi, c'était un contemporain de Léopold Sédar Senghor. Et vous savez que Senghor et Cheikh Anta Diop, il y avait aussi ce climat-là d'opposants, parce que Senghor avait son parti, et Cheikh Anta Diop aussi avait son parti. Et à chaque fois, c'était deux partis qui avaient des convictions contradictoires politiquement. Est-ce que vous voyez? Et Senghor, et Cheikh Anta Diop, il y avait beaucoup de suspicions, hein, beaucoup de méfiance. Et vous savez que sous Senghor, le plus grand savant de l'Afrique de l'Ouest, Cheikh Anta Diop. Sur ce, certains disent que Senghor et Césaire étaient des blancs qui se cassaient dans la peau noire. Oui, ça, Senghor l'a enlevé. Mais permettez-moi quand même de terminer là-bas. Donc, est-ce que vous savez que Cheikh Anta Diop est devenu, était considéré comme le plus grand savant de l'Afrique de l'Ouest, l'un des plus grands historiens? Mais Cheikh Anta Diop n'a pas, trop tard même, entré dans l'université Cheikh Anta Diop, qui porte son nom aujourd'hui. Parce que normalement, Cheikh Anta Diop devait être professeur titulaire d'histoire et de géographie, au département d'histoire et de géographie. Mais c'est après que Senghor est parti donc Abdou Diouf est venu, et il s'est rendu compte que ça, c'est une erreur monumentale que l'histoire pourra retenir. Et il a signé par décret que Cheikh Anta Diop, en 1981, est nommé au département de sciences, de géographie et d'histoire comme étant professeur titulaire. C'est comme ça que Cheikh Anta Diop va entrer dans l'histoire. Et tout le monde savait que c'était pour réparer une erreur que Senghor avait commise
Pourquoi? Parce qu'il a suivi un peu le côté, l'aspect politique, au point même de, d'être un ennemi de Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous voyez? Donc ça aussi, on l'a trouvé ici. Donc c'est des penseurs, de grands penseurs, de grands historiens, mais qui avaient aussi leurs convictions et qui étaient différents un peu de Senghor. Est-ce que vous voyez? Mm-hmm. Maintenant, votre question, c'était quoi encore? Vous m'avez posé une question. Oui. Senghor et Césaire... Senghor a répondu. Parce que Senghor... Quand on lui a accusé d'être un Toubab, mais il a dit qu'il avait répondu que, mais attendez, moi je suis né à Joal, j'ai grandi à Dilor, j'ai fait tout ce qu'un enfant serrure devait faire, j'ai été élevé par mon oncle Tokor Wali, mon oncle m'a élevé dans l'orgueil, mais aussi il m'a élevé dans la dignité, et on passait la nuit à la Belle Étoile pour garder nos troupeaux. Et dès que j'ai bu dans des eaux stagnantes qui faisaient au moins un mois sur terre, avec des vers de terre, j'ai bu ça et j'ai mangé du n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai fréquenté les grandes écoles, je suis devenu un poète et je voulais devenir prêtre, mais malheureusement, je suis un poète, je suis devenu président. Et vous osez me dire que je suis un Français parce que je parle bien français. Il dit que, mais attendez. Vous qui me dites que vous parlez français, peut-être que si vous étiez comme moi, à l'aise en français, vous n'allez pas me le dire. Je suis toujours un serrère, donc voilà. Et Senghor restera toujours serrère, parce qu'après sa mort, il a voulu qu'on l'enterre à Joal. Mais après, il y avait beaucoup de polémiques. Certains ont dit que sa femme avait changé son testament quand il était devenu très vieux pour qu'on l'enterre à Bel Air. Mais Senghor, je vous le dis, était très attaché à sa terre natale. Après, il n'est plus revenu au Sénégal, hein? Senghor. Bon, il est allé s'installer là-bas en Normandie chez sa femme, mais après sa mort, même s'il n'est pas revenu, bon, après sa mort quand même, on l'a ramené ici. Et nous tous, je me rappelle quand j'étais au lycée, on l'a souhaité un dernier adieu parce qu'on l'avait exposé à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai fait la queue au moins pendant toute la journée pour aller lui rendre un dernier hommage parce que c'était un homme quand même qui le méritait. Merci beaucoup, monsieur Ba. Donc, merci et c'est un plaisir toujours de partager avec vous. Après, on parle de quoi? Donc, après, on va entrer dans les genres littéraires. Et je vais donner l'occasion à une de mes collègues, Madame Sénégou Sarr. Donc, c'est elle qui va vous faire un exposé sur le roman. Et on s'est entendu sur le principe et elle va le faire. Mais maintenant, après, peut-être revenir sur la poésie. Et terminer avec la poésie et maintenant entrer dans les conseils pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. La littérature sénégalaise, elle existe, non? Oui, la littérature sénégalaise existe, bien sûr. On a des écrivains au Sénégal et on a aussi de la littérature aussi féminine, et aussi existe. Donc, lors des révisions pour les classes de 3e, peut-être on aura l'occasion de revenir sur une si longue lettre de Mariam Ba. Et là, on verra la littérature féminine, comment elle est née, et pourquoi cette écriture-là, et pourquoi quelquefois on dit que donc là, une si longue lettre est comme une revalorisation de la femme, mais aussi une quand même sorte de mise en garde pour les hommes. Merci beaucoup, c'est un internaute. Ça fait toujours un plaisir de partager ces moments-là avec le grand monsieur Ba. Merci beaucoup à Restaurant Kuriambi, merci beaucoup à Mamoudou Ndiaye, DG, merci beaucoup à Vie Marsa, notre cameraman. À très bientôt.